La réserve de biosphère du delta du Saloum est située au sud-ouest du Sénégal à environ 100 km de Dakar. Créée en 1981, elle couvre une superficie de 334 000 hectares, dont 76 000 hectares érigés en parc national. Vu l'importance de cette réserve, pour les milliers d'oiseaux qu'elle accueille, elle a été classée site Ramsar en 1984. La RBDS regorge d'importantes ressources animales, végétales et archéologiques, amas, coquillers et autres. Cependant, du fait de la forte pression sur les ressources naturelles et la sécheresse des années 70, la mangrove s'est progressivement dégradée. Cette dégradation est également accentuée par les coupes de bois et la pratique des méthodes d'exploitation inadaptées des ressources de la mangrove. Coupe des racines de palétuvier pour la cueillette des huîtres par exemple. En plus de ces problèmes liés à la pression sur les ressources de la mangrove, les populations dans la majorité des localités du delta du Saloum souffrent de l'enclavement, de l'insalubrité et de difficultés à accéder à une eau potable. Dans la mangrove, nous avons des espèces aussi au niveau des bolons, comme le lamantin, qui est une espèce très importante au plan de la conservation et qui est hyper protégée parce qu'elle est menacée. C'est une espèce menacée. Nous avons aussi d'autres espèces comme le dauphin et d'autres espèces de poissons. Les deux premiers sont des mammifères, bien sûr, et on a d'autres espèces des espèces de poissons qui jouent un rôle important au plan de l'équilibre écosystémique, mais aussi qui jouent un rôle important dans l'alimentation des populations. Actuellement, l'une des espèces nobles au Sénégal, qui est le tchof, par exemple, est une espèce qui a un cycle de vie. Une partie de son cycle de vie se déroule dans la mangrove, d'où l'importance de la mangrove pour la conservation de cette espèce. L'île de Fayout est située dans la commune de Joal Fayout, sur la petite côte à 110 km de Dakar, dans le département de Mbour. C'est un petit village plein de charme, édifié sur une île centenaire entièrement composée de coquilles d'huîtres et de palourdes. L'avancée de la mer et la dégradation des terres de l'île de Joal Fayout sont dues à plusieurs décennies d'utilisation des ressources de la mangrove et des sols. Cela a comme corollaire la perte de la biodiversité, la salinisation des sols et l'accentuation de la pauvreté. Nous sommes ici à Fayout, précisément au quartier où on appelle le quartier Djoum. Donc nous avons choisi de venir ici pour vous parler un peu de l'écosystème de la mangrove et sur les problèmes néfastes qui s'y trouvent. Je me rappelle quand on était enfant, il y a 45 ans, 50 ans de cela, tout cet espace vide n'existait pas. C'était plein de mangroves. J'en ai pour preuve, si vous voyez là, c'est les troncs qui restent là, des mangroves qui étaient tout autour de cet espace-là. Alors maintenant, on est arrivé là pour montrer à la face du monde l'écosystème de la mangrove et tous les problèmes néfastes que ça pose. En raison de la croissance de la population et l'extrême pauvreté, la migration interne vers les zones côtières a augmenté rapidement. Cette population est à la recherche de ressources provenant de la mangrove. La surexploitation des ressources de la mangrove et sur les mangroves elles-mêmes ont créé une détérioration grave. Voilà, l'érosion maritime qu'on a souvent entendu parler, ça a donné des dégâts énormes en ce qui concerne l'environnement de Joal Fayout et plus précisément de Fayout. La place là s'appelait Djamdjam. Donc ça faisait office de repos pour le curé à l'époque. Et le dépôt pour les filets de nos parents ou bien l'arrivée de des pêcheurs ou de nos mamans qui étaient pour récolter le coton à l'île de Tindine que vous apercevez de l'autre côté. Tout a disparu. Parce que là, quand même, on se rappelle, c'était à peu près 1 hectare, sinon plus. Mais voilà tout ce qui reste. Alors, autre chose qui m'a beaucoup marqué, nous sommes maintenant en face du village de Fayout. Et voilà, de l'arrivée là-bas jusqu'ici, c'est là où s'arrête. La mer, l'horizon maritime a complètement coupé.
Et donc le Tindi, le Djamdjam est devenu maintenant une île. Une île, comme vous apercevez là. C'était des palétuviers jusque là où vous apercevez la mosquée. Il n'y avait que des palétuviers. Il n'y avait que des palétuviers. Tout ce qui reste à Djamdjam, il ne reste que 2, 3, 4 palétuviers. Bien qu'aujourd'hui, les implantations humaines au niveau de la frange côtière, donc de la côte jusqu'à 50 km à l'intérieur, reçoivent la majeure partie des populations actuellement du Sénégal. Et ceci explique la pression de plus en plus intense sur les ressources halieutiques et la pression de plus en plus intense sur l'écosystème mangrove. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde la mangrove du delta du Saloum, les sites de pêche qui y sont, à partir de Joal jusqu'à Missira, nous remarquons une augmentation de l'effort de pêche. Les populations qui sont venues s'implanter au niveau de ce littoral n'étaient pas à l'origine des individus qui s'adonnaient à cette activité-là. Mais à cause de leur implantation à côté de la mer, à côté des bolons, donc, et aussi devant l'absence de travail, donc, il y a eu une main-d'œuvre qui s'est de plus en plus intéressée aux activités halieutiques. Et c'est ce qui explique aussi la présence de plus en plus importante d'une main-d'œuvre à tous les niveaux de la pêche, depuis les captures jusqu'à la transformation, en passant par le mariage. Et ceci a eu comme conséquence une pression de plus en plus élevée sur les ressources, disparition d'espèces, diminution des stocks et émigration vers d'autres pays de la part des pêcheurs, comme ceux de Guendar, ceux de Kayar, etc., qui sont obligés maintenant de partir vers la Mauritanie, vers la Guinée-Bissau et vers d'autres pays pour y mener leur activité. Face à cette situation, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial, le PMF-FEM, est un mécanisme financier permettant l'appui et la promotion d'initiatives et d'actions communautaires visant à faire face aux grands problèmes d'environnement à travers la mise en œuvre de projets relatifs à 5 domaines de priorité du FEM. La diversité biologique, le changement climatique, les eaux internationales, la gestion durable des terres et les polluants organiques persistants. Donc les femmes sont contraintes de couper la mangrove pour pouvoir trouver de l'énergie pour leur cuisson. Et en coupant cette mangrove, c'est l'avancée de la mer, et l'avancée de la mer entraîne la salinisation des sols. Cette salle, pour quelqu'un qui connaît bien le village de Fadiout, qui est un village pêcheur, mais un village d'agriculteurs, aujourd'hui, plus assez de terre pour cultiver, les greniers sont vides, on les voyait un peu partout, on ne les utilise pas. Il y avait aussi la riziculture qui était développée, presque ça a disparu. Les huîtres qui connaissaient Fadiout, les fruits de mer que l'on trouvait en quantité à Fadiout sont déjà, la diminution est nette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce manque à gagner pèse lourdement sur la population, mais aussi sur le revenu du Sénégal, parce que beaucoup de zones de l'intérieur venaient s'approvisionner à Fadiout en fruits de mer. Aujourd'hui, ils sont contraints d'aller ailleurs pour les trouver. Et c'est réellement la régression de l'économie au niveau de la zone et au niveau national. Lancé en 1993 au Sénégal, le PMFM procède de la conviction que les problèmes environnementaux mondiaux peuvent trouver des solutions à partir des initiatives des communautés locales. Les activités de restauration de la mangrove dans les zones dégradées entreprises par les populations dans le cadre des différentes interventions du PMFM consistent en une régénération assistée. Les OCB du delta du fleuve Saloum collectent les propagules arrivées en maturité pour les planter et réduire ainsi les énormes pertes observées au cours de la régénération naturelle.
C'est grâce au financement du FEM et du Compact. Parce que nous avons une formation pour Diang, comment nous reboiser et comment nous sommes propagés pour le bon et le bon. Mota litay ñu mon ko be di jangalaté parce que amna yenen ño xamantene dañuy joggé ci ay yenen dëkk di ñëw di jang fi naka lañuy défé reboisement. 4 148 000 propagules ont été plantées sur une superficie de 549 hectares. Le PEM, c'est une association qui a été créée le 17 avril 1908 à Fimla. Par des organisations communautaires de base, dont la plupart avaient bénéficié d'un projet PMF du FEM. Nous avons eu à restaurer 120 000 hectares de mangroves qu'on a reboisées. Nous avons également planté 40 000 plants d'Abyssinia. Nous avons aussi pu restaurer 110 hectares de terres dégradées. En reboisant la mangrove. Et également, nous avons eu à confectionner 600 ruches pour le développement de l'apiculture, que nous avons mis à la disposition des groupements, ainsi que 50 000 collecteurs d'huîtres qui ont été créés pour le développement de l'agriculture. Nous avons eu à restaurer 110 hectares de terres dégradées avec une production de 400 tonnes. L'Afrique est très déficitaire en matière d'énergie et pourtant, durant presque toute l'année, elle a le soleil qui brille très fort dans le ciel. Soleil qui est d'ailleurs une source intarissable d'énergie. L'énergie, c'est le moteur du développement. Même pour manger, il faut avoir de l'énergie. Et pour trouver cette énergie, cuisiner et sécher, les femmes sont obligées d'attaquer directement la mangrove. Et en attaquant la mangrove, ils ne savent pas qu'ils détruisent et ils ont des conséquences très graves. Parce qu'en les attaquant, ça permet à la mer d'avancer régulièrement, de détruire le peu qu'il y avait sur la surface, d'empêcher les oiseaux de se reproduire, et aussi les huîtres vont disparaître. Et à la longue, c'est la pauvreté qui s'installe. Autre problème souvent négligé, la fumée de bois comme la fumée de cigarette et des produits toxiques peut dans certains cas être la cause de cancer. Ainsi, selon M. Kirk Smith du centre Est-Ouest de Honolulu, Tahiti, dit qu'une femme qui prépare avec du bois inhalé pendant 3 heures est l'équivalent de 20 paquets de cigarettes. Une étude publiée en 1984 montre qu'au Népal, près de la moitié des maladies pulmonaires sont dues à la fumée du bois de cuisson. De plus, beaucoup de problèmes d'infection oculaire sont notés chez les femmes qui utilisent le bois de chauffe comme combustible. À cet effet, l'utilisation de la cuisinière solaire permet d'éviter ces problèmes et leurs conséquences. Suivant l'étude menée par le CRESP en 2007 au projet cuisinière solaire de Mehé, chaque cuisinière solaire utilisée par une famille fait éviter 4 tonnes métriques de dioxyde de carbone. C'est très important. C'est l'équivalent de 16 arbres sauvés au niveau de la brousse. Donc, si vous calculez, par exemple, avec une population de milliers de fours de cuisinières solaires qui fonctionnent en même temps, c'est toute une forêt qui est sauvée en ce moment. Donc, disons que chaque femme qui utilise sa cuisinière solaire peut se dire que chaque année, elle a sauvé 12 arbres au niveau de sa localité. Wa fayut ñu ngi gëreum fem parti fem inen ñeñ mu reuy ci dëkk bi bu gëna ñu nak dëkk bi yépp jigéen ñi ñëpp am ci dafa jupp dëkk bi pour jigéen ñi noppali ko pour sakanal motax ñu jog sakanal gaz sakanal kërign sakanal mata sakanal suñu ciono encore amatul togg ñaka amatul dara. Da ngay tuatu poudre ou pastelou def odou ko lañ sa jëkkeur ñew nga jox ci togg bi dem fon ko parce que amatu xet bu ñaa bu salté amatu xet bu xassaw xet bu neex ngay xéñ fofu nak sey bi da fay gëna neex sax ndax ñun fi mu nekk légui tuba fakal la
Des séminaires de formation ont été organisés dans plusieurs localités pour la construction de fours solaires. Ces cuisinières solaires seront construites par les artisans et elles seront affectées au groupement de femmes qui seront chargées de les ventiler au sein des familles conformément aux conditions d'attribution qui seront mises en place par le comité de gestion. Au-delà, les menuisiers vont poursuivre la fabrication ou les réparations des cuisinières au niveau des ateliers en fonction de la demande. Donc le principe de cette formation, je te forme ou tu formes l'autre. Jean Ambroise est un formateur qui a eu à former, qui a eu à diriger des ateliers de formation au niveau de Fimela et je pense qu'il va continuer dans le delta du Saloum. Dans l'ensemble, nous avons formé 360 artisans à la construction des fours solaires. Donc c'est une création d'emplois très importante. Et ces menuisiers qui sont formés sont des relais et ils comme Ambroise, dans chaque atelier, à la fin de la formation, ils ont pour mission de former d'autres. Nous sommes des menuisiers. Oui, en même temps, nous avons une formation pour nous. Nous permettons de nous faire des formes 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 de nous faire. Au moins, si nous récupérons des formes de nous faire, nous faire des formes de nous faire. Dire exactement le nombre de menuisiers qui sont formés à la construction des fours solaires, on ne peut pas le dire, mais les 360 sont officiels. Ils ont tous obtenu un certificat de formation des cuiseurs solaires. Je suis très heureux de la FEM. Je suis très heureux de la FEM. Je suis très heureux de la FEM. Moi, pour que vous voyez, je suis très heureux de la FEM. Je vais vous permettre de développer. La cuisinière solaire mise au point par M. Abdoulaye Touré allège les tâches ménagères, diminue les dépenses des foyers africains et préserve l'environnement. De plus, constituée à 80% de matériaux locaux fabriqués au Sénégal, la cuisinière solaire participe à l'économie locale et à la lutte contre le chômage. Ce que je fais dans le four, c'est ce que je fais dans le four et le matabi. Gâteau gi nek na lo xamne dafa am njariñ ci man am njariñ ci sama njabot té dina ci faj sama soxlo di ci faj soxlo xalé yi di ci féyalé école vraiment mu nek lo xamne banex bu baax la ci man ak sama morom yi légui ñu dañu bëgg wa dëkk bi yépp ku nek am ci fourno solaire yi ñu jàngal leen ñom ñu xam njariñu four bi li ñuy tekki ci ñun. Ma première satisfaction en créant les fours solaires, c'était d'abord de contribuer à la préservation de l'environnement, à la santé des populations et à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Ce n'était pas un but pour chercher de l'argent, mais c'était une contribution que je faisais et aussi créer des emplois pour que des jeunes demain puissent en vivre.